C'est pour évoquer la Corse de son enfance que Xavier Emmanuel y a accepté d'abandonner un instant ses obligations autour du monde. Pour rendre hommage à son père aussi, ce père qui lui a transmis le goût de soigner son prochain, et surtout celui qui ne le demande pas. Voyage en compagnie d'un homme qui a vécu parmi les damnés de la Terre, avec ou sans filtre. Allez, c'est ici que ça se passe. C'est un peu champêtre. Complètement champêtre, même. Bienvenue dans votre vie, Xavier Emmanuel. Merci. Vie qu'on va raconter à travers les photos, que vous allez nous raconter à travers les photos marquantes. Et là, on est dans le premier lieu, le lieu des origines de l'enfance. Et donc, on va se mettre devant chaque photo et vous allez me dire ce que ça vous évoque, justement. Et on va commencer par celle-là. Ben, c'est mon papa et ma maman. Regardez comme ils ont l'air typés, corse. Oui. On peut pas s'y tromper. Votre papa est de Zalana. Zalana. Et ma maman. Comment il s'appelle, votre papa? Dominique François. Dominique François. Dominique François. Et votre maman, c'est Yvonne Constance. Constance. Ben, vous savez tout. Oui. Et vous voyez, lui est un fils de paysan. Parce qu'elle était un fils d'une fille de directeur d'école, de Propriano. Et c'était un mélange de classes. Voilà, c'était pas un mariage de classes. Ce qui est intéressant sur cette photo, justement, bon, c'est de voir qu'ils sont restés toute leur vie ensemble. Oui. Votre papa, donc, lui, il commence par être instituteur. Parce que pour échapper à son milieu social, vous avez dit, relativement modeste, il voulait être instituteur. Il fait l'école normale d'Ajaccio, c'est ça? Et il a eu la chance, parce qu'il était pupille de la nation, puisque son père avait disparu pendant la guerre de 14. Et il était doué pour les études. Alors, il a eu une bourse et puis il a fait l'école normale. Que faire d'autre, d'ailleurs, en Corse, à l'époque, pour s'en sortir, il n'y avait pas de fac. Hein. Ouais. Il est venu bien plus tard, la fac. Et c'est là qu'il a rencontré cette jeune femme. Qui faisait aussi l'école normale, elle pourrait être comme son papa. Sauf que, une fois qu'ils vont avoir leur situation, tous les deux, votre papa, il a une passion. Sa vraie passion, c'est quoi, Xavier? Il aime la Corse. Il aime la médecine, surtout. Et votre maman va le pousser à être médecin, ce qui veut dire qu'à 3... Non, attendez, c'est plus compliqué. Mon papa voulait aller plus loin, et il a été à Sorbonne, il voulait faire de la philo. Oui. Et puis, ces questions l'ont poussé vers la médecine. Et ça, poussé par ma maman, qui était ambitieuse pour deux. Et comme lui, c'était une éponge, réellement. Il touchait un livre, il l'apprenait, il le savait. Il était obligé de repasser son bac, parce qu'on avait que le brevet supérieur. Et oui, quand on faisait l'école normale, oui. Donc il repasse son bac à 30 ans, il fait toutes ses études, et il est médecin à 30 ans. Et il est médecin à l'âge adulte. Mais il se rappelle qu'il a été un pauvre, vous voyez. Et il ne s'est pas pris la tête, il ne s'est pas pris de melon, comme on dit. Il est resté très, très naturel, aimant les gens. Un contact très facile, très chaleureux, comme les Méditerranéens. Mais pas de distance, des distances de politesse, bien sûr. Et puis, il avait envie de faire du bien. C'est un homme bon, un homme bon. Ça se voit dans son sourire, dans ses yeux. Ah, ça me fait quelque chose de le voir comme ça. Et maman aussi avait de la tendresse. C'était une femme forte, mais tendresse. Donc, c'était des gens extraordinaires. Et ils vont vous mettre au monde ? Déjà. Hein ? À Paris. Parce qu'effectivement, pour la carrière de votre papa, on va à Paris. Et vous naissez à Paris, vous, hein, Xavier ? Je suis né à Paris 13e. Et mon père, il a commencé à faire un remplacement en 42, le remplacement de médecin, d'un médecin juif. Qui l'a connu, qui lui a dit, écoutez, on a un mauvais moment à passer, moi, qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Je suis officier, bon, d'accord, je ne suis pas exercé, mais ça va revenir. Et donc, il lui a présenté sa clientèle et dit, occupez-vous de mon petit orphelinat, la pension Zisman. Et mon père dit, d'accord, je vais faire l'emplacement, mais quand il reviendra, qu'est-ce que je fais, moi? Il avait un cabinet secondaire à Ormesson. Il fallait être à 5 km au moins pour ne pas mélanger. Donc il faisait tourner le cabinet de ce médecin juif et en même temps il faisait tourner le cabinet pour après, parce qu'il travaillait après. Mais le médecin juif est parvenu. Et donc il exerçait dans la banlieue parisienne entre La Varenne, qui était une petite ville des faubourgs, et Ormesson, qui était rural.
Et moi, j'étais élevé à la campagne d'une grande liberté. On était dans les champs tout le temps, c'était formidable. Grande liberté, mais j'ai mis volontairement cette photo. Vous n'avez pas une enfance... Enfin, je ne sais pas si vous avez une enfance heureuse, mais vous êtes quelqu'un d'assez renfermé, justement. Et j'ai mis cette photo... Vous n'étiez pas très heureux, enfant, non ? Je me trompe ou pas ? Non, j'étais renfermé. Renfermé, c'est vrai. Ouais. Difficile de communiquer. Mes parents, ben, c'est comme tous les Corses, c'est catholicisme culturel, on ne peut pas faire autrement. Donc, la première communion. Puis votre papa vous disait « aime ton prochain ». Il insistait beaucoup là-dessus et, aussi. Et ma maman disait, parce que j'ai deux sœurs et un frère, elle disait toujours « pensez, quand vous voyez des filles, quand j'étais ado, elle disait ça, quand vous voyez des filles, ça peut être vos sœurs, ça peut être votre mère. Alors, respect. » Donc, si vous voulez, elle était élevée comme ça, très droit. Mais j'ai mis aussi cette photo exprès parce que là, vous êtes chrétien avec catholique et vous allez assez rapidement devenir un peu communiste. Vous allez un peu oublier tout ça. Plus tard, ça sera dans une autre pièce. Oui. Regardez comme j'étais déjà débraillé. Pourtant, ma maman, elle voulait absolument ma lavalière, tout ça. Mais regardez la manche qui dépasse. Oui. La chaussette qui tombe, enfin bref. Tiens, mais là aussi, vous êtes débraillé. Regardez, on est au lycée Marcelin Berthelot. Alors, vous êtes, c'est marqué d'ailleurs sur la photo, vous êtes là, bien sûr. Xavier, votre enfance, justement. Le beau Brumel. Renfermé, et vous avez des rêves. Oui. Des rêves, vos héros à l'époque, c'est qui vos héros? Ah, c'est les reporters de guerre, les résistants, les grands aviateurs, les grands médecins. Les grands médecins, parce que mon père me les racontait, ces médecins. Il faisait rêver sur les médecins coloniaux. Vous savez, c'est resté un mythe. Pour moi, c'est... La médecine française a été faite et pensée en Afrique. Ils avaient des territoires grands comme trois fois la France. C'était des médecins militaires, mais il fallait qu'ils inventent. Et il y a eu trois prix Nobel. Et en particulier, moi, pour moi, mon idole, c'est Jameau, celui qui a réveillé l'Afrique, celui qui a chassé la trypanosomiase du Cameroun. Et je viens sur cette trace. Il était à Saint-Sulpice-des-Champs, dans la Creuse. Et j'ai été en pèlerinage. C'était des gens extraordinaires. Naturellement, pas reconnus par leur hiérarchie, bien sûr. Justement, ces deux rêves, ils vont être tenaces. Hein, et la médecine, et l'Afrique. Et tenez, il s'appelait Paradis, mon prof. Ah oui, ouais. Venez, on va aller justement vers la médecine. Là, vous êtes étudiant en médecine. Vous vous dirigez, j'ai envie de dire, naturellement vers la médecine, Xavier. Pas si naturel que ça. Je sais que mon père faisait, comment dirais-je, une pression affectueuse sans jamais dire les mots. Mais il me racontait. Il me racontait l'histoire de ses malades, des maladies, comment il réfléchissait. Alors donc, c'était un peu les histoires magiques, vous savez. Ouais. J'ai été bercé autour de la table, on parlait que de ça. D'ailleurs, ma sœur est médecin, mon frère est médecin, ma grande sœur est pharmacienne. Et moi, médecin. Et donc, si vous voulez, c'était presque un courant naturel. Le hic, c'est que j'avais un petit talent littéraire ou de dessin. Et puis, il a fallu choisir. Donc, et vous avez choisi médecin. Regardez l'air que j'ai, encore toujours débraillé. Je vois très bien avec mon camarade Philippe Boulet, je le reconnais, lui. Vous savez, Luc, quand j'étais petit, il y a toutes les histoires de superstition de la Corse. Vous ne pouvez pas imaginer. Elle n'avait pas l'eau courante. Il fallait aller à la fontaine chercher l'eau. Et les vieux me préparaient bien, me racontaient des histoires terribles, de fantômes, de morts. Il fallait traverser Maquis, vous savez, la tombe des ancêtres. Et il se faisait un malin plaisir à me foutre les chocottes. Et je peux vous dire que je revenais en courant. Et toute mon enfance s'est baignée par les histoires de la Corse, les vieilles légendes de la Corse, la superstition et la magie. Et j'ai vécu dans un monde magique. Et mon père me racontant la médecine aussi de manière magique, en quelque sorte. Et par exemple, pourquoi une femme enceinte a mal aux dents, hein? Vous ne savez pas, vous? C'est parce que le fœtus a besoin du calcium et il le pompe à sa mère. Et donc, c'est comme ça que... Le calcium est dans les dents. Voilà. Donc, toute cette magie, en fait, vous avez voulu, en faisant des études de médecine, retrouver cet aspect magique qui a bercé votre enfance. Il y a quelque chose de magique, mais aussi d'héroïque. Parce qu'il racontait les grands médecins et les grands maîtres qui nous ont encadrés.
Donc finalement, je fais médecine, après des hésitations, parce que j'avais un talent de dessinateur aussi, un petit talent, pas de technique. Et me voilà revenant, je me rappelle très bien de cette photo. On était pris avenue de l'Opéra, on revient de l'hôpital de Lariboisière, de cardiologie, et on discute. Je ne suis pas très aimable, moi, j'ai des copains, mais je n'arrive pas à communiquer. Je me dis, il faut changer le monde. C'est là que naît une espèce de révolte. Vous voyez des pauvres, vous voyez des gens à l'abandon, vous voyez des types. Après leurs opérations, les gens à Lariboisière, les envoyaient à Saint-Lazare. C'était un peu à l'abandon. Et il y a quelque chose qui me monte, si vous voulez, des profondeurs. Il faut changer ça. Je ne sais pas aussi élaboré que ça. Mais vous le sentez au fond de vous-même. Et puisque vous ressentez aussi justement, il y a ça, cette envie de donner un sens à votre vie, bien sûr, oui. Et puis cette envie peut-être de partir aussi. Alors j'ai toujours eu cette... Allez, c'est là-bas, venez, on part là-bas. Vous avez toujours voulu partir. Ah oui, toujours. Qu'est-ce qu'il y avait en vous qui vous poussait à partir? Retrouver l'Afrique, justement, de vos héros d'enfance, les colonies? Les colonies, l'aventure. Vous savez, la France avait, pour cette génération, la France était un peu déshonorée avec la collaboration, tout ça. Et donc, les seuls qui disaient qu'ils avaient fait quelque chose, c'est les FTP, les maquisards et tout ça. Vous êtes attirés par cette révolution. Vous êtes attirés par les grands héros, les reporters de guerre, Joseph Kessel, Arthur Kessler. Vous avez tous. Et il faut partir. Partir et changer le monde. Et vous partez sur un bateau? Oh, mais je passe déjà le concours. Oui, oui, oui. Oui. Bon, qu'on ne devient pas médecin de bord. Médecin de bord, ça c'est sur le Tahitien. C'est ça, et vous partez pour la Nouvelle-Calédonie. On part pour l'Australie. Et c'est un bateau de passagers, mais en même temps qui fait du trafic de copra. C'est avec des noix de coco, c'est pour faire des lotions pour ces dames. Vous êtes heureux, mais... Mais vous êtes très seul. Vous avez tous les matelots à bord. Vous savez, tous les services, que ce soit les mécaniciens, services généraux. Ce n'est pas forcément des gens sobres. Hein. Et en plus, ils se bagarrent. En plus, il y a des vieux passagers qui font... Parce qu'à l'époque, les fonctionnaires qui étaient en Nouvelle-Calédonie, ils commençaient leur congé que lorsqu'ils arrivaient en France. Donc, ils se tapaient 3 semaines de vacances prolongées. Donc, ils prenaient le bateau. Et bon, j'en ai pris beaucoup des bateaux, des fois en uniforme, des fois sans uniforme. Vous allez faire le tour du monde, mais vous n'allez pas, vous l'avez dit, vous n'allez pas tout de suite en Afrique. L'Afrique, ça va arriver plus tard. Oui. Et vous savez où est l'Afrique? Elle est vers là-bas, Xavier. On va aller retrouver l'Afrique. Elle est dans une pièce. C'est par là-bas, l'Afrique. Je croyais que vous montrez la mer. Non, c'est par là-bas. Venez avec moi. Allez, on y va. Mais sachez que j'ai fait beaucoup de navigation. Hein. Oui, ah ben oui, oui, oui. J'ai pris des bateaux et des bateaux. J'imagine bien la solitude. Vous l'avez bien mesuré. Allez. Mais c'est aussi une solitude. Prenez place. Merci. On est confortablement installé là. Ouais, ça c'est vrai. Et je vous ai promis l'Afrique. Et l'Afrique, eh bien elle est là. Alors, je la connais cette photo. Vous voyez, ma sacoche, il y a encore écrit Médecins sans frontières, avec le vieux logo. Et nous sommes au Tchad. Et là, ce sont des infirmiers. Et je leur apprends, on est sur mon petit ordinateur, 512K, mais étanche, qui était solide, robuste, autonome. Et je leur apprends des arbres d'inférence. Par exemple, si raideur de la nuque, avec fièvre et vomissement, si vous avez ce trépied, alors méningite. Et donc, on a construit des arbres d'inférence, comme ça, des guidelines automatiques. Et je vous assure que c'était une bonne manière. À l'époque, on était dans les années 80, c'était pas très répandu. Et en plus, je me battais avec mes camarades en disant jamais d'informatique. Nous, on est des cliniciens. Et voilà, je leur apprenais. Et c'est des gens qui comprenaient vite. Ils adoraient ça.
Parce que ce qui est important sur cette photo, bien sûr, c'est l'Afrique où vous allez finir par arriver un jour. Mais comme vous dites, c'est la sacoche MSF, Médecins Sans Frontières. Vous êtes parmi ceux qui ont fondé Médecins Sans Frontières en 1973. 71. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu tout à l'heure que vous étiez en tenue de communiant. Quand vous fondez MSF avec tous vos copains, vous êtes plutôt crypto-communiste. Vous créez pourquoi MSF? Quelle est la philosophie à l'époque qui vous anime? C'est facile. C'est d'abord le rêve d'Afrique. Ouais. Ensuite, de pouvoir faire quelque chose pour des gens qui sont à l'abandon. Comme faisaient nos grands ancêtres, nos aînés, les médecins, le coloniaux, d'apporter aux gens des connaissances. Vous savez, cette idée de sortir les gens, de leur donner le meilleur, quoi. Et oui, je suis de gauche, une certaine gauche. Et surtout, quand Et on est au Tchad, ici, vous voyez, en pleine guerre, avec Hissène Habré. Et surtout, à l'époque, quand vous créez MSF, il y a la Croix-Rouge qui ne veut pas de vous. Parce que justement, tous ces gens de gauche qui font quelque chose, vous êtes mal vus, en fait, à la base. Vous n'êtes pas accepté, même. Non seulement on n'est pas... Ils ont fait lanterner, quand même. Ouais. Parce que... Mais c'était des notables, hein, la Croix-Rouge française. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup changé, mais... Non, je... Il y a des gens bien. La Croix-Rouge, c'est Croix-Rouge internationale. Cela, le CICR, c'est le modèle. Quand je française, on vient, c'est le sous-préfet, le pharmacien, le souhait. Et quand ils voient arriver ces gens débraillés, qui ont un passé de lutte, ils ont peur. Et au bout d'un moment, on fait le siège. Et au bout d'un moment, on comprend qu'ils ne voudront jamais de nous. 73. Et quand j'ai compris ça, on sera tout seul. Et j'ai eu un désespoir. On n'y arrivera jamais. Et puis, sont arrivés des camarades qui en voulaient. Il y a eu les Bromanes, Maluret, tous ces gens qui avaient fait leurs études à Cochin. C'était des battants. Et on est arrivé à construire MSF. Oui, vous voulez rajouter quelque chose? L'Afrique, quand vous découvrez l'Afrique, est-ce que ça correspond à ce que vous imaginiez? Est-ce que quand on va dans l'endroit de ses rêves, est-ce qu'on est... Évidemment, c'est différent. Oui. Bien sûr que c'est différent. Mais si vous voulez, c'est des... Là, c'était la guerre. Ce n'était pas ma première mission en temps de guerre. Hein. Mais quand même, vous n'êtes pas forcément très tranquille. Mais ensuite, c'est des climats extraordinaires. Au Tchad, des fois, il y a des tempêtes de sable. Vous ne voyez même pas les réverbères. Vous voyez les couchers de soleil, mais somptueux, toutes les couleurs avec un changement de température. Alors que c'était très chaud, très violent, vous avez une espèce de douceur qui va monter. L'Afrique, vous voyez aussi des gens malheureux, vous voyez à mon époque, des séquelles de polio, des gens qui ne pouvaient pas marcher, qui tiennent leur quadriceps, qui sont dans leur petite chaîne. Vous voyez un continent affaissé comme ça. Et vous dites, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Mais c'est bon. Et vous avez fait. Vous allez faire pendant 23 ans. On verra ce qui se passe au bout de 23 ans. Je suis tombé amoureux de l'Afrique. Ah oui. Ça, c'est une histoire d'amour qui ne m'a jamais quitté. Et quand je dis l'Afrique, c'est un continent. Ça veut dire que les pays sont différents, les peuples sont différents. Mais à chaque fois, vous avez un bain de spiritualité, non, de magie. De magie. Et à la fois une douceur, une violence. Et les gens sont... Ils savent qu'ils sont sur la Terre, il y a des explications magiques. Alors magique, justement, il se passe quelque chose de magique à l'époque, c'est qu'il y a un reporter qui s'appelle Casta, je crois, qui fait un reportage sur Casta, vous. Casta, Ange. Ange Casta, exactement. Et qui fait un reportage sur vous, on voit vos passeports, justement, et ça passe à la télé, sur France 2, enfin ça s'appelle Antenne 2 à l'époque, et vous devenez subitement des héros. Subitement des héros, on ne parle que de vous. Mais là, il y a une question de fond qui se passe. C'est que pour des héros éternels, il faut des victimes éternelles. Et là, est-ce que justement, il n'y a pas un problème? C'est qu'il vous faut des victimes pour rester des héros et inversement? C'est plus compliqué. On est tout d'un coup, c'est une histoire qui apparaît, une saga, comme une série à la télé, sauf qu'on est dans la réalité. Et donc, MSF, c'est une histoire en train de se faire dans la réalité. Bien sûr que c'est
On vous dira, c'est du néocolonialisme, c'est des médecins blancs qui viennent, enfin, ça. Mais c'est toujours comme ça. Pardonnez-moi, mais ce que je sais de la télé, de l'information à la télé, vous m'arrêtez si je me trompe. On est obligé de raconter une histoire très schématique. Les héros, et si vous dites héros, vous montrez des victimes, et vous montrez des salauds, vous montrez... c'est facile pour voir la guerre, il suffit de montrer quelques hommes en armes, une vieille femme effondrée, des miliciens. Il y a toujours des images de commedia dell'arte que sont obligées pour la télé. Et donc, oui, on a été en quelque sorte à la fois bénéficiaire et à la fois victime de la saga. Vous comprenez ? Oui, oui. Et alors, on s'est divisé en deux camps, en quelque sorte. Moi, peut-être parce que je suis timide, je ne voulais pas... je voulais pas être connu. Je voulais pas mon nom. J'aimais bien mon travail obscur, comme faisait mon père. Et l'autre, une autre école, dit, on va écrire l'histoire, mais en se montrant. Et c'est cette espèce de mariage sulfureux des médias de l'image et des gens du terrain qui ont fait un scénario, si vous voulez. Et à partir de ce moment-là, on a un peu perdu notre âme, vous savez. Vous avez perdu votre âme. En tout cas, vous allez la rechercher quelque part, votre âme. Vous. C'est qu'un jour, vous lisez dans un journal pour les médecins, une revue pour les médecins, qu'on cherche un médecin pour les prisons. Ah. Et donc, on vous retrouve là, en 1980, c'est quoi, en 87, je crois, c'est ça ? 87, oui. 87. Pourquoi Laurie Mérogis. Oui, c'est agréable. Oui, je ne crois pas que ce soit agréable, non, justement. Non, mais je plaisante. Pourquoi je suis médecin de prison ? Je ne sais pas. Je vais vous dire, parce qu'en Afrique, c'est la deuxième fois que je rencontrais une épidémie. La première, j'avais rencontré dans ma première mission au Bangladesh, c'était l'ancien Pakistan oriental, où les enfants mouraient de variole. On était en 72. En 76, il n'y avait plus un cas de variole sur la Terre. Elle avait été éradiquée. J'ai vu apparaître, parce que les épidémies naissent et meurent, le sida en 83. Et moi, j'ai suivi en Afrique. Et puis, en Occident, c'était les échanges de seringues. Où trouver les gens qui s'échangent de seringues ? C'est la prison. Parce qu'il y avait le sida rose, vous savez, homosexuel. D'accord ? C'est celui-là qui avait... Ils avaient... accès aux médias. Donc, on entendait parler que... C'était... Et là, par contre, ça restait entre les murs de la prison. Là... Et donc, vous allez où il faut combattre, où être médecin. On a affaire à des pathologies avec un grand P, j'ai envie de dire. Mais plutôt que le sida, là-dedans, j'ai envie de dire, parce qu'on peut être un peu... c'est pas beau ce qui se passe. Vous avez surtout affaire à des mutilations volontaires. Vous avez quelqu'un, j'ai lu, qui se coule la bouche. Systématiquement, vous lui décousez, il se recoue la bouche. Systématiquement, vous voyez des choses affreuses en prison. Mais en même temps, extrêmement symbolique. Pourquoi on se coule la bouche ? C'est parce que sa parole ne vaut plus rien. Et donc, il ne faut pas la découdre tout de suite, il faut l'écouter. Mais j'ai appris. De même, les mutilations, c'est-à-dire... C'est pas des tentatives de suicide. C'est comme les... Comme maintenant, on voit beaucoup de gens tatoués, partout. Même avant, c'était les mauvais garçons ou les filles des rues, enfin. Maintenant, tout le monde, c'est presque esthétique. Et donc, la mode a changé. C'est qu'on a quelque chose à dire, à démontrer. Et quand la bouche ne peut pas parler, c'est la peau qui parle. Et là, j'ai appris l'exclusion. Ça a été mon école. Ça a été mon école, la prison. J'ai appris les gens à démêler avec le temps, avec leur corps, avec les codes de rencontre avec les autres, avec la parole. Qu'est-ce que veut dire une parole en prison ? Ça veut rien dire. C'est... Vous allez y rester 5 ans dans cette école. Et puis, j'ai envie de dire, il y a une autre école après, Xavier. Et c'est celle-là, c'est l'hôpital de la grande exclusion. En 92, au sortir de Forêt Mérogis, vous êtes 5 ans, vous arrivez là. Je savais des choses. Je savais des choses sur l'exclusion. Je dis le contexte, c'est un hôpital où on ramassait tous les élèves de Paris, on les entassait dans des camions et on les déversait dans la cour de l'hôpital. Oui, mais et charge à vous. Qui les entassait ? La police. C'était une mission de police qui s'appelle Brigade d'assistance pour personnes sans abri. Et c'est une mission... d'ordre public. Et il faut se rappeler, et je tiens à le dire, quand quelque chose ne va pas, c'est d'abord l'ordre public
et on envoie la police. Les migrants, on ne comprend pas, d'abord la police. Après, on discute. Quand les sociétés vont bien, on fait de l'humanitaire, de la charité. Quand elles ne vont pas bien, on envoie les flics. Et donc, là, je savais où j'allais. C'est Nanterre, c'est un vieux truc. Ça date de Napoléon, oui, début de Napoléon III. On ramasse les errants, les étrangers, les clochards, pour les envoyer loin de Paris. Sortez ça de mes yeux. Pour leur bien, soi-disant, c'est le dé. Et pourquoi on a le droit de les ramasser? Délit de vagabondage, délit de mendicité. C'est des délits qui n'ont disparu qu'en 1994. Je crois que j'y suis pour quelque chose. Moi aussi. Mais pas tout seul. Hein. Et là, je savais où j'allais, parce que l'exclusion, j'avais lu beaucoup, en particulier les Américains qui avaient écrit. Il y avait toute une école à Chicago, qui s'appelait l'école de Chicago, justement, sur la proxémie, sur le langage du corps. Et donc, j'ai eu le privilège d'aller soigner ces gens volontairement. Et c'est là que j'ai inventé le SAMU social. Avant d'arriver au SAMU social, vous voyez des choses pires que vous avez vues en Afrique, hein? Oh, j'en ai. Il y a des pathologies. Enfin, bref. On veut en savoir plus, de toute façon, je le dis dès maintenant, il y a de nombreux livres et vous nous décrivez un petit peu votre travail au quotidien. Là, effectivement, vous vient cette idée du SAMU social. Vous voyez? Et là, j'avais appris des choses. C'est quoi le SAMU social? Je vous ai coupé. Vous aviez appris des choses. Par exemple, quand on va auprès de quelqu'un qui semble en danger, il faut dire qui on est, quel organisme vous envoie, votre qualité et votre grade. Et donc, dès le début, j'ai équipé les gens, blouson bleu Paris, et puis sauveteur. Vous voyez, là, c'est l'infirmière, et là, c'est le chauffeur. Et donc, lui, il y a cette petite mise en scène, le camion avec son identité visuelle, et lui, ça le rassure. Vous voyez. Mais ça, bien sûr, Xavier, mais donc, vous avez appris quelque chose, c'est que plutôt que les malades, d'attendre les malades viennent à vous, vous allez directement. Personnes qui font ces délits de rester dans la rue, tout simplement, des délits de vivre. Ils peuvent pas faire autrement. Et vous allez les voir. Vous savez quoi? Oui. Et les soigner. Il y a une espèce de divorce par consentement inconscient entre l'institution. Ces gens ne comprennent pas l'institution. Et l'institution n'a pas envie d'y aller. On dit toujours, mais ils n'ont qu'à venir au dispensaire. Comment voulez-vous qu'ils sachent que dispensaire peut être pour eux. On dit, revenez vendredi. Mais vendredi, ça n'a pas de sens, le temps n'a plus de sens. Vendredi, il ne se passe rien. Et est-ce qu'on peut dire que c'est ça, alors, la différence entre le SAMU social et le SAMU tout court? Le SAMU social, c'est de venir en aide à ces gens-là, mais surtout leur aider à réapproprier et leur corps leur idée du temps. C'est ça l'œuvre du SAMU social. C'est vrai, mais c'est lent. Ah oui. C'est pas d'urgence, en fait, le SAMU social, finalement. Et là, il y a la contradiction entre non, les... Non, l'urgence, c'est une manière d'approcher. Il faut bien prendre quelque part. Là, vous approchez en urgence. Et la nuit. Ils ne viennent pas. Alors, bon, il faut y aller. Et puis, j'ai vécu une scène qui est presque une parabole. Vous voyez un type, comme ça, plus jeune, dans la rue, bourré, il est long d'un mur. Il est jeune, il a une quarantaine d'années. Puis, vous dites, qu'est-ce que je peux faire pour lui? Mais pourquoi il est là? C'est trop compliqué. Qui appeler? On ne sait pas. Donc, ça vous fend le cœur, parce que c'est votre frère humain, quand même. Vous avez envie, il souffre. Puis, c'est un gâchis de voir un type jeune, comme ça, à l'abandon. Bon, puis vous passez votre chemin. Vous avez fait quelques pas. Derrière vous, le mec s'est levé. Titubant, il descend du trottoir, sans savoir. Il y a une voiture qu'il prend, qu'il met par terre. Et à la main, tout le monde sait quoi faire. On sait quoi faire pour un corps qui saigne. Ah, on lui fait, on appelle le 15, mais on peut appeler le 18. On peut même appeler la police, le 17. Le 17. Donc, on sait quoi faire. Moi, je sais faire le massage cardiaque. Moi, je sais faire le bouche à bouche. Moi, je sais. Position latérale, c'est que. Mais on n'a rien su faire pour l'homme social et on sait faire pour l'organisme. Avouez que c'est quand même un paradoxe. Et donc, vous allez contribuer, enfin, vous allez créer ce numéro, le 115. On saura qu'il faut faire le 115 quand il y a des gens comme ça qui sont face à nous. C'est en 95. Ça commence à Paris, sous le gouvernement Chirac, on va avoir l'occasion d'en reparler. Et après, ça sera perpétué dans toute la France, grâce à Balladur en 97. Et justement, cette photo... Qui se battait contre Chirac.
Et vous avez fait l'unanimité à l'époque, oui, oui. Et justement, c'est l'objet de la photo suivante. Voilà. Chirac, on en a parlé. Vous, l'homme de gauche, Xavier Manoli, il vous appelle comme secrétaire d'État à l'action humanitaire d'urgence. C'est moi qui ai demandé d'urgence parce que action humanitaire trop vaste. Vous dites oui. Donc c'est Chirac en fait qui fait l'ouverture, c'est pas Sarkozy qui crée l'ouverture en appelant un homme de gauche, peu importe. Pourquoi vous y allez ? Ça a été compliqué. C'était le programme, c'était la fracture sociale. Il m'avait aidé. Il donnait le coup de pouce politique pour faire. Il m'a pas donné de budget. Les politiques ne donnent jamais de budget. Je me suis battu pour mes budgets. Mais il m'avait donné la méthode. Et d'ailleurs, il m'a fait un drôle de tour. La première fois que je l'ai vu, il avait été bien briefé, il avait lu mon truc. Et donc, il me donne rendez-vous à la mairie. Donc, j'y vais. Il y avait tous ses conseillers, ses fonctionnaires. Et puis, on bavarde. Un homme plein de charme. Puis il me dit, Toubib, on va le faire, ton truc. Ah bon ? Vous me donnez le... J'étais super heureux parce que je ne savais pas. Je dis, mais ceux-là, puis ils montent ses fonctionnaires, ceux-là vont te mettre les bâtons dans les roues. Alors tu m'appelles. 25 conseillers, 25 ennemis mortels d'un seul coup. C'était ce qu'il ne fallait pas faire. Donc, je me dis, je connaissais à fond mes MSF, je vous dis, j'étais le pape, respecté, le père de tout le monde. Et on vient me chercher sur le SAMU social. Il avait un programme réel sur fracture sociale. Et on me demande, ça me fait penser, j'étais dans mon Algeco, vous voyez, en train de faire ma consultation. Et j'avais un adorable Antillais, qui ne foutait pas grand-chose. C'était le garçon qui m'aidait. Mais il était sympa, il était adorable avec les malades, avec les gens. Et donc, il était vachement utile parce que ça rassurait. Puis, le téléphone sonne. Moi, j'étais comme ça. Et on faisait ma consultation. Puis, ça sonne. Puis, lui, il était en train de rêver. Je dis, mais Loulou, il téléphone. Ouais, ça va. Il y va à son pas un peu traînant. Puis, allô, Xavier, c'est Chirac. Je dis, arrête tes conneries. Dis, c'est qui ? C'est Chirac. Alors, monsieur le maire, monsieur, et puis les loulous restent à côté. Oui, d'accord, bien sûr, rendez-vous, d'accord. Dis-lui pour mon appart, dis-lui pas. Voilà comment c'est fait. Et donc vous arrivez, vous êtes ministre, vous allez travailler comme un fou pour créer une loi contre l'exclusion. Mais malheureusement... Cette loi, elle avait été inventée par le père Joseph Brzezinski, portée... par Geneviève Antonios de Gaulle, passée au Conseil économique et social. On m'a demandé de la mettre de façon à pouvoir faire des décrets dessus. Et malheureusement, on bosse. Vous bossez, et Chirac, il a une mauvaise idée, c'est qu'il crée la dissolution, enfin, il fait la dissolution, et donc vous partez de ce ministère avec cette œuvre inachevée, finalement. C'est pas vous qui la mettrez en œuvre, cette loi sur l'exclusion. Non. C'est un regret ? Ben oui. C'est le gouvernement suivant quand même qui la mettra. Vous aurez mis votre pierre quand même, contribué à mettre votre pierre à l'édifice. D'ailleurs, Martine Aubry me l'a dit, m'a invité à prendre le café. Elle m'a dit, tu sais, Xavier, t'as bien bossé. Tout n'est pas perdu, tu sais, c'est nous qui allons reprendre. On ne va pas le faire exactement comme tu as fait, mais on reprend des grands morceaux. En fait, ils ont fait la loi contre les exclusions très politiques. Et moi, je ne la voulais pas du tout politique. Mais bon, c'est comme ça. Musée des occasions perdues. Eh bien, on va voir les occasions qui sont réalisées, en tout cas. Mais ce n'est pas dans cette pièce-là, Xavier, c'est dans une autre pièce, parce que vous avez encore fait pas mal de choses, je vous assure. Allez, venez. Ce qu'il y a, ce qui se cache derrière ces écrans. Vous le voulez bien ? Je veux bien, j'attends. Avec impatience, on va commencer. Même anxiété. Il n'y a aucune anxiété à avoir. Parce que justement,
Ça, vous êtes avec tout le personnel du SAMU social. Le SAMU social, aujourd'hui, c'est des centaines et des centaines de personnes. Vous aviez. Voilà ma femme. Qui est cachée derrière. Ah oui, vous mettez même votre épouse à contribution. Ah ouais. C'était pour sortir ce livre. On va avoir l'occasion d'en reparler de ce livre-là. Mais là, vous avez l'air en bonne santé. On n'a pas eu le temps d'en parler tout à l'heure. Le SAMU social, ça vous a fait avoir quand même deux fois la lèpre. Hein, c'est pas de tout repos. On n'attrape pas la lèpre comme ça, non. J'ai eu des coups. La gale, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est parce que vous avez un diplôme en léprologie, c'est pour ça que j'ai confondu. Mais ça, c'était bien avant. Donc ça, c'est le SAMU social en France, bien sûr. Mais il y a encore mieux. Il y a le SAMU social international. C'est tous mes camarades. C'est super. Parce qu'aujourd'hui, le SAMU social, il est dans quoi? Dans 18 villes dans le monde, c'est ça? 18 grandes villes. Et qu'est-ce que c'est le SAMU social international? C'est ce que vous faites en France, sauf que c'est plutôt tourné vers les enfants. C'est aider des enfants à grandir. Des rues, mais aussi des grands problèmes d'exclusion urbaine. Et ah, ça me fait plaisir, en effet. Ce n'est pas un piège. C'est tous ceux qui m'accompagnent encore et qui m'aident. Et qui vous font faire encore faire le tour du monde, car encore aujourd'hui, vous avez 80 ans aujourd'hui, Xavier, et vous faites encore le tour de ces 18 villes. Vous avez besoin d'être sur le terrain pour dire ce qu'il faut faire encore. À votre âge, j'ai envie de dire. Ce n'est pas besoin, c'est que je suis réclamé, vous savez. Et je leur dis, quand je mourrai, vous n'avez qu'à m'empailler, puis vous me mettez comme ça. Mais ils ont envie de me montrer ce qu'ils font. Et c'est des gens valeureux, des filles exceptionnelles. Vraiment, il y a eu deux époques. Au début de MSF, c'était aventurier, des mecs super virils. Et tout. Et puis maintenant, c'est des filles. Et les filles, elles ne se montrent pas. Elles n'ont pas d'histoire à raconter. Elles font leur boulot discrètement. Elles ont un courage. Et donc, c'est ça qui est merveilleux. C'est que l'arrivée de nos sœurs, l'arrivée des filles, qui sont encore plus motivées que les garçons. C'est incroyable, non? Regardez ça. Effectivement, d'ailleurs, vous étiez comme Artaban, là. Hein. Et si on veut savoir un petit peu tout ce que vous faites, de toute façon, parce qu'on n'aura pas le temps de tout dire dans l'émission, vous avez, je vais y arriver, voilà, un blog, hein, au carrefour des urgences, les combats, les prises de parole, biographie, il y a tout sur votre blog, y compris un de ces combats-là. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je voulais le mettre en avant, parce que ça, c'est concret. Et bien, c'est ça, c'est quand vous étiez jeune, vous avez contribué à quoi, Xavier? Mine antipersonnelle. À les interdire dans le monde. Oui, mais ça a été... Les militaires m'en ont voulu parce qu'ils disent « Ah, c'est une arme !» Et je suis arrivé à convaincre Chirac. Non seulement il n'y avait plus la fabrication, mais la vente. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai annoncé à la conférence de Vienne, j'ai annoncé en français, évidemment, je suis français, et il y a toute une partie de la salle qui s'est levée et qui m'a applaudi. Et 30 secondes après, une autre partie de la salle, le temps de la traduction. Et j'étais tellement content, ce lobby anti-mine antipersonnelle. Ça faisait des dégâts effroyables. Des gamins bousillés, des gens... C'est comme ça que j'ai vu créer Handicap International, vous savez, qui faisait des prothèses avec du matériel local, des bambous, des pneus. Et donc, ces saloperies ont été interdites. Après, il y a eu la conférence d'Ottawa. Plus personne n'a le droit d'en faire. Enfin, il y en a qui restent. Chirac, vous avez encore dit son nom parce qu'il est vraiment présent. Alors, c'est pas tellement... On va regarder. Voilà, c'est pas tellement l'homme qui m'intéresse, moi. Il vous a décoré. Vous avez quoi comme grade aujourd'hui dans la Légion d'honneur? Commandeur. Commandeur de la Légion d'honneur. Est-ce que c'est important pour vous, les honneurs? Non. Non. Mais Non, c'est non. Je les ai pas refusés. Je les ai pas demandés. Mais j'ai accepté. Et il y a, quand j'avais 20 ans, si on m'avait dit que ça... J'aurais été fâché. Regardez, ici, c'est De Gaulle, le fils de Gaulle, l'amiral Philippe de Gaulle. Vous voyez, il y a des synchronicités. J'avais admiré De Gaulle. Le jour de ma remise, il y avait l'amiral. Ça fait du bien, la reconnaissance, quand même. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? Je ne suis pas sûr. Oui, je suis content, mais sans plus. Alors qu'à 18 ans, je voulais mon nom au haut de l'affiche. Et maintenant, je m'en fiche. La rime est bonne. Il y a cette photo aussi qui est intéressante. Ça, c'est Jean-Paul II. Et ça, c'est Ronny. Oui, et ça, c'est vous qui serrez la main de Jean-Paul II avec un regard plein d'admiration. On a vu votre parcours spirituel.
Alors, on n'a pas beaucoup de temps, mais il est assez varié, votre parcours spirituel. Mais comme, aujourd'hui, vous en êtes où? Vous qui avez beaucoup réfléchi entre les honneurs, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que quand on a 80 ans, on s'approche du moment où vous aurez des comptes à rendre. Vous remettez votre âme au Père. Et donc, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai la foi, foi profonde, mystique. Et il faudrait m'arracher les ongles un par un pour me la retirer, parce que je l'ai conquise. J'avais, dans l'enfance, mes parents envoyaient au catéchisme, et ils m'étaient dit, tout ça c'est du baratin, c'est l'opium des peuples, quand j'étais dans ma période sociale. Et puis après, je me suis laissé faire. Mais c'est difficile d'avouer qu'on est croyant auprès de vos camarades. Oui, tu es croyant parce que tu deviens vieux, parce que tu as peur de la mort. Pas peur de la mort. De toute façon, je vais être obligé d'y aller. Et donc, ce que je crois, c'est qu'il y a un sens profond, prodigieux, que l'univers est amour, l'univers est une conscience, l'univers pense. Puisque je pense, l'univers pense. C'est pas parce que je pense, c'est parce que l'univers pense. Et que donc, ça a un sens profond. Donc, quand tu vas voir le pape, tu es un pape de combat. Alors, quand je suis rentré, je dis, mais comment ça... C'était pour les 20 ans des MSF, vous voyez, j'étais plus jeune. Comment on s'adresse au pape? C'était mon berger, c'était le patron. Et alors, je vois un cardinal, on était à Castel Gandolfo. Il dit, mais c'est facile, il est très simple. Je dis, d'accord, mais comment on fait? Ah ben, vous verrez, c'est très simple. Très simple, mais j'ai pas... Et alors, je dis à Ronnie, qui est un libre penseur, je dis, voilà comment je vais dire. Je dis, votre sainteté, voilà, ça fait 20 ans qu'on existe. Alors, il dit, là, je t'arrête. Ça n'a pas l'épaté. Lui, ça fait 2000 ans que son business existe. Et tu es 20 ans. Tu es 20 ans à côté. C'est de la gnognone. Dernier écran. Pardon. Si vous le voulez bien, Xavier. On va écouter. C'est une archive. Nous avons parmi nous le docteur Emmanueli. Il est médecin généraliste. Il exerce dans un hôpital de Lorraine, dans une région minière. Votre image... En fait, c'est un livre, vous avez écrit un livre qui s'appelle Moriturus, c'est votre premier livre. C'est un livre qui est un cri, en même temps qu'un document. Pourquoi est-ce que vous avez écrit ce livre? Eh bien, c'est un sentiment de totale impuissance. Moi, généraliste, je suis impuissant à soigner mon malade. Ce que je peux faire, je suis lucide, je peux le voir évoluer, je peux le voir évoluer dans un sens bien ou mal, quoi. Enfin, mal étant... la mort, quoi. Mais je peux rien faire pour lui, en réalité. Comment ça? Je peux rien faire pour lui, d'abord, parce que j'en ai pas la formation technique. J'en ai pas la formation technique. Je fais partie de cette race de médecins médiocres qui a été formée. Oui, médiocre, réellement. J'ai été formé dans un hôpital, dans les hôpitaux parisiens, et comme j'ai pas passé les concours, j'étais le tout venant. Je suis un paria. Et j'ai pas la formation technique d'abord du malade. Et je n'ai pas non plus la formation psychologique. Je n'ai pas fait de psychiatrie, je n'ai pas fait de psychanalyse. Finalement, je ne peux pas grand-chose. Je peux juste, avec ma bonne volonté d'homme, l'accompagner, mais je crois que lui donner de la poudre de perlimpinpin, quelques petits médicaments symptomatiques, ça oui. Mais intellectuellement, je me sens très très mal à l'aise. Pourquoi exercez-vous la médecine? Enfin, pas formé techniquement par rapport à ce qu'on pourrait attendre en 1971 d'un médecin généraliste. Vous généraliste, moi généraliste, je suis impuissant à soigner mon malade. Vous avez 80 ans aujourd'hui, c'est quoi, c'est 46 ans après ça? Entre-temps, j'étais dans le monde de l'action. Entre-temps, j'ai fait anesthésie réanimateur. Entre-temps, j'ai appris des gestes. Je ne les ai pas soignés, qui peut soigner. Mais de temps en temps, il m'est arrivé de sauver des gens. Je dis toujours, j'étais l'homme le plus important dans la vie des gens qui étaient en dernière extrémité, et je suis arrivé à les sauver quelques-uns. Mais je n'ai jamais rencontré personne. Eux, ils ne savent pas que j'existais. Et moi, je ne me rappelle plus, moindre tête. J'étais médecin généraliste, j'ai eu une puissance, mais je ne sais plus qui j'ai soigné. Et donc, si vous voulez, il y a une espèce de ricanement de la Providence. Qu'est-ce que j'ai fait? Et où j'étais. C'est pas la peine de chercher un sens, la puissance, quand vous êtes médecin. Faites ce que vous pouvez. Et comme le premier chirurgien, qui s'appelait Ambroise Paré,
Il a eu un mot d'une grande humilité qui dit notre rôle. Je le pensais, Dieu le guérit. Donc vous faites les gestes, puis après, Providence. Ça sera une manière de conclusion, parce qu'il y a encore une photo, voilà, c'est celle-là. Votre dernier livre, parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de votre œuvre littéraire. Vous avez écrit beaucoup de livres, une vingtaine, je crois, il y en a comme ça. C'est le dernier, Accueillons les migrants. C'est votre dernière prière, c'est votre dernier combat. Un de vos derniers combats, je ne vous sais pas dernier. Oui, il veut m'enterrer tout de suite. Non, bien sûr. Il faut les accueillir, ces migrants. Oui, je vais vous dire. D'abord, en très peu de mots, c'est que le monde entier est sur les routes. Et vous n'y pouvez rien. Il y a un grand bouleversement qui va bouleverser nos sociétés. Oh, vous pouvez mettre des barbelés, oh, vous pouvez envoyer les flics, vous pouvez envoyer l'armée. Ils viendront. Ils viendront et nous apporteront autre chose. On est dans une société qui est un peu figée. On est dans des gérontocraties. On ne veut pas bouger. Et ils vont nous faire bouger. Oh, ça sera sur 30 ans. Un de ces jours, il y a les migrants économiques, comme on dit, comme si ça existait. Il y a les réfugiés de guerre. Il y a toute cette Afrique qui sont des jeunes. Il faut leur espace. Il y aura des réfugiés économiques. Donc, je ne dis pas qu'il faut accueillir, ouvrir grandes des portes. C'est à l'échelon du continent, à l'échelon de l'Europe, qu'il faut le faire. Et puis, ceux qui n'ont rien à faire en Europe, il ferait mieux de développer leur pays, il faut les renvoyer, mais dans des bonnes conditions. Pas en les foutant comme un sac de patates dans des avions. Il faut accueillir et monter des dispositifs pérennes. Ils vont venir nous revitaliser. J'y crois. Accueillons les migrants. Merci. On finit l'émission par un selfie. Ah bon. C'est la tradition dans cette émission, venez. Donc avec vous, le selfie. Ben oui, vous voulez faire tout ça. Bon, c'est pour ma connexion personnelle. Allez, souriez. Hop, merci. Voilà, merci infiniment Xavier. Merci. Bonne continuation à vous dans vos nombreux combats. Et à une prochaine. Up to you. D'accord, comme on dit en Corse. Allez, c'est pas la voix.